Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons pratiquer un yoga nidra. C'est une très ancienne pratique et ce n'est pas simplement une relaxation, mais c'est avant tout un voyage intérieur pour comprendre soi et le monde qui nous entoure. Cela va vous permettre d'apprendre à vous détendre, à lâcher votre mental dans n'importe quelle position. Prendre conscience de chaque partie du corps qui est tendue et le détendre, le relâcher tout en restant conscient et à l'état de veille. Au travers de cette pratique, nous allons essayer de découvrir qui nous sommes et éventuellement de changer, de modifier, d'évoluer, de soigner, de comprendre et de connaître qui nous sommes, ainsi que de notre relation envers nous-mêmes et envers le monde. Le yoga nidra est un travail sur le sommeil conscient, car lorsque nous dormons, dans le sommeil, la structure mentale n'est pas tout à fait la même. Elle est beaucoup moins rigide, elle est beaucoup plus floue, et on oublie tous nos conditionnements, tandis qu'à l'état de veille, le mental est structuré, notre façon de penser, l'époque, le moral, notre éducation parentale, tout est structuré. Mais dès que l'on s'endort, tout ce bel ordre s'effondre et tout devient flou. Grâce au yoga nidra, nous avons vraiment un moyen de nous infiltrer et d'apprendre à nous connaître pour découvrir dans cette immobilité du cœur ce que l'on est vraiment. Pour commencer cette pratique, allongez-vous sur le sol, sur un tapis, placez un coussin sous votre tête et un autre sous les jambes pour éviter de cambrer le dos. Écartez légèrement les bras sur le côté en tournant les paumes de main vers le ciel. Couvrez-vous avec une couverture si nécessaire, car le corps se refroidit lors de la relaxation. Laissez tomber les pieds de chaque côté vers l'extérieur, avec les jambes légèrement écartées. Rentrez un petit peu le menton vers le bas, pour que le cou soit aligné avec la colonne vertébrale. Pendant cette relaxation, le corps ne doit pas bouger. Effectuez les derniers réglages afin que le corps puisse se détendre totalement. Vous ne devez ressentir aucune gêne durant toute la séance de yoga nidra. Fermez les yeux et prenez une grande respiration. Laissez-vous totalement aller dans l'expiration. Relâchez toutes les contractions musculaires. Relâchez toutes vos préoccupations. Retrouvez les sensations du moment où vous allez vous endormir. Retrouvez cette sensation de détente. Observez votre respiration et laissez-la se faire doucement, lentement et régulière. Tenez éloignées les pensées inutiles. Créez un espace d'amour autour de vous. Votre intention est d'harmoniser chaque aspect de votre être. Prenez conscience du fait que vous êtes calme, détendu. À partir de ce moment, vous devez essayer de ne plus rien bouger de votre corps, comme si celui-ci était coupé de votre volonté. Le calme s'installe en vous et vous envahit. Vous êtes calme, calme.
À partir de maintenant, je vais vous détailler chaque partie de votre corps. Vous allez en prendre conscience sans bouger. Mettez-y tout votre amour et relâchez totalement les membres énumérés au fur et à mesure. Prenez conscience du gros orteil droit, puis relâchez-le totalement. Le deuxième doigt de pied. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le talon droit. Plante du pied droit. Cheville droite. Relâchez tout votre pied droit. Mollet droit. Genou droit. Cuisse droite. Hanche droite. Flanc droit. Poitrine droite. Épaule droite. Coude droit. Relâchez tout le bras droit. Pouce droit. Index droit. Majeur droit. Annulaire droit. Auriculaire droit. Intérieur de la main droite. Dos de la main droite. Poignet droit. Relâchez toute la main droite. Prenez conscience de tout votre côté droit et relâchez-le. Maintenant, prenez conscience du gros orteil gauche. Deuxième doigt gauche. Troisième doigt. Quatrième. Et cinquième. Talon gauche. Plante du pied gauche. Cheville gauche. Relâchez tout le pied gauche. Mollet gauche. Genou gauche. Cuisse gauche. Hanche gauche. Flanc gauche. Poitrine gauche. Épaule gauche. Coude gauche. Poignet gauche. Relâchez tout le bras gauche. Pouce gauche. Index gauche. Majeur gauche. Annulaire gauche. Auriculaire gauche. Intérieur de la main gauche. Extérieur de la main gauche. Toute la main gauche. Prenez conscience de tout le côté gauche et relaxez-le. Maintenant, prenez conscience de votre visage. Relâchez les yeux dans leurs orbites. Relâchez les sourcils. Le point entre les sourcils. Relâchez le front. Relâchez les joues.
desserrez les dents. Relâchez la langue. Décollez la langue et laissez-la reposer sur le palais du bas. Desserrez légèrement les lèvres. Relâchez le crâne. Relâchez votre visage tout entier. Prenez conscience de tout l'arrière du corps, des points de contact avec le sol et relâchez tout l'arrière du corps. Maintenant, prenez conscience de votre corps allongé, là sur le sol, détendu. Relâchez les fesses. Relâchez tout. Relâchez tout le corps. Relâchez tout le corps. Tout le corps. Maintenant, écoutez votre cœur qui bat et qui envoie de la vie et de l'amour universel dans tous les points de votre corps. Laissez-vous bercer quelques instants par cette douceur interne qui veille sur votre vie. Ressentez en vous tout cet amour. Ressentez votre cœur qui bat. Maintenant, reprenez votre corps à la base du coccyx et remontez lentement de vertèbre en vertèbre le long de la colonne vertébrale. Allumez vos vertèbres une à une et illuminez chacune d'elles d'une lumière très blanche. Vous devez sentir une boule d'énergie monter le long de la colonne vertébrale. Ressentez vos vertèbres cervicales que vous blanchissez, illuminez, nettoyez. Puis votre gorge, elle s'illumine, se remplit d'amour. Votre plexus solaire devient chaud, il brille. Vous ressentez une énergie très positive dans l'espace du cœur. Vous ressentez un bien-être et un lâcher-prise total. Ressentez tous les endroits de votre corps dans lesquels vous êtes parfaitement bien, comme si vous étiez dans un cocon d'énergie. Un cocon d'amour. Vous êtes dans un état d'hyperconscience de votre corps, dans lequel toutes vos cellules sont plongées dans une communion intense.
Vous pouvez maintenant effectuer et réussir tout exercice faisant appel à votre pouvoir intérieur et à la puissance de votre esprit. Maintenant, vous allez essayer d'imaginer, de sentir, de contempler aussi parfaitement que possible des situations agréables. Le but est d'arriver à une sensation de paix intérieure et d'harmonie profonde avec l'univers. Imaginez une pluie chaude en été. Un lever de soleil. Un ciel étoilé. Un cheval au galop. La flamme d'une bougie. Des montagnes enneigées. Une prairie au printemps. Le mouvement des vagues. Un désert. Une plongée profonde en bouteille. Un lac limpide et calme. Maintenant, nous allons pratiquer quelques respirations. Prenez conscience de votre inspire et de votre expire. Prenez conscience de l'air frais qui rentre à l'inspire et de l'air chaud qui sort à l'expire. Maintenant, pratiquez la respiration abdominale. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se relâche. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se relâche. Pratiquez encore trois respirations abdominales. Thank you.
Maintenant, nous allons pratiquer la respiration thoracique. À l'inspire, les côtes se gonflent. À l'expire, les côtes se relâchent. Pratiquez encore trois respirations thoraciques. À l'inspire, les côtes se relèvent. À l'inspire, la cage thoracique s'abaisse. Nous allons à présent pratiquer la respiration yogique, qui consiste à faire une respiration abdominale puis thoracique. Donc à l'inspire, le ventre se gonfle, puis les côtes se relèvent. Et à l'expire, les côtes s'abaissent et l'abdomen se relâche. Encore une fois, le ventre se gonfle à l'inspire, les côtes se relèvent et à l'expire, les côtes s'abaissent et l'abdomen se relâche. Pratiquez encore trois respirations yogiques. Lorsque vous avez terminé votre cycle, reprenez une respiration normale, lente et régulière. Vous êtes toujours complètement relâché, de plus en plus détendu. Prenez conscience de votre corps étendu sur le sol. Visualisez le sol et la pièce où vous êtes allongé. Écoutez les bruits autour de vous. Laissez-vous envahir par cette sensation de bien-être. Votre respiration est lente et calme. Gardez les yeux fermés et commencez à bouger doucement le bout des doigts. Commencez à rapprocher très lentement les bras le long du corps. Bougez petit à petit les orteils. Et étirez-les doucement. Rassemblez vos jambes et commencez à prendre conscience de votre corps doucement, calmement.
Posez vos mains sur le ventre au niveau du nombril. Remontez doucement les mains sur la poitrine et remontez encore les mains pour couvrir vos yeux. Ouvrez doucement vos yeux sous vos mains. Continuez le mouvement des mains jusqu'au-dessus de la tête et allongez-vous au maximum pour vous étirer. Étirez-vous, bâillez, tournez la tête à droite et à gauche. Prenez le temps pour sortir de la relaxation. Étendez le bras droit au-dessus de votre tête et mettez votre main gauche sur votre bas-ventre. Tournez-vous doucement sur le côté droit et prenez le temps qu'il vous faut pour vous relever doucement. La pratique de Yoga Nidra est maintenant terminée. Merci beaucoup. Namasté.